Alors en fait, pour le Cantal 0,20 plié, tu prends un morceau de Cantal, tac, on coupe. Ensuite, tu le plies en deux. Voilà, hein, ça te fait un morceau comme ça. Tu prends un petit tournevis, un clou, ce que tu veux. Tu le passes dans la petite boucle. Et tu viens bien mettre tes doigts, hop, bien au milieu. Et ensuite, avec le tournevis, tu attrapes un bout et hop. Et voilà, ça te fait un. Je sais pas si on voit bien. Mais bon, ça te fait un morceau de Cantal. Donc d'une résistance inférieure. Ensuite tu le prends et 2, 5. Voilà, je fais toujours un tour de plus pour pouvoir le rouvrir après pour le mettre correctement dans mon atto. Ça. Ça donne ça. On aplatit. Voilà. On brûle. On aplatit. Voilà, on attend que ça refroidisse un peu. Voilà, donc pour l'instant ça fait un coil qui est quand même merde. Ça fait un coil qui est quand même assez propre. Il n'y a plus qu'à le monter et après à rentrer du coton à l'intérieur. Donc c'est pas compliqué du tout. Voilà. Allez, amusez-vous bien.